وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quand vraiment quelqu'un a une difficulté, il a un cas exceptionnel, il peut réunir entre Dhuhr et l'Asr, Maghrib et l'Isha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith de Muslim. Donc, il n'y a aucune raison de rater les salats. Aucune. Ni le travail, ni la fatigue, ni rien du tout. Sauf quelqu'un qui oublie, quelqu'un qui s'est endormi, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, en dehors de sa volonté, mais volontairement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et c'est un grand péché. C'est min al-kabair. Il y a même certains parmi les savants des Hanabila, parmi les savants du madhab al-Hanbali, qui disent celui qui délaisse intentionnellement une heure, une prière, sortir sans la faire intentionnellement, c'est un kafir. Pour vous dire, je ne dis pas que c'est la parole la plus juste, mais c'est pour vous montrer comment c'est grave. C'est-à-dire, certains savants, ils vont jusqu'au point de dire ça. Donc, ce n'est pas rien du tout de délaisser la salat à l'heure. Pourquoi Allah Ta'ala, il a instauré le tayammum? Justement, pour faire salat à l'heure. Car sinon, Allah Ta'ala, il aurait pu demander que tu attendes d'avoir de l'eau. Quand tu as de l'eau, tu fais le wudu et tu fais ta salat. Allah Ta'ala, il a instauré le tayammum. Pourquoi? Pour que tu fasses salat à l'heure. Donc, la prière dans sa plage horaire, c'est une des plus importantes des conditions de validité de salat.